Salut à tous, c'est Yvan sur toute personne. Aujourd'hui, nous allons retrouver une copine de collège avec laquelle j'ai fait aussi pas mal de judo. Et donc, elle est de passage en coin et on va faire une surprise à son fils qui parle pas mal de Ferrari en ce moment. Voilà, donc en fait, il est au courant absolument de rien. Sa mère lui a fait croire qu'elle allait retrouver une copine d'enfance. Et en fait, c'est moi qui vais arriver en Ferrari. Donc là, je pense qu'il va halluciner. J'ai hâte de voir sa réaction. Alors en plus, sa mère a un petit lien avec Toute Berzingue puisque c'est elle qui a trouvé le nom Toute Berzingue en fait. Au moment où j'ai créé la chaîne, où j'étais en train de rechercher un nom et puis je discutais un peu avec elle. Et comme elle a pas mal d'idées, c'est elle qui m'a proposé ça en fait, Toute Berzingue. J'ai dit ouais, c'est... Donc voilà, en fait, c'est à elle qu'on doit le nom Toute Berzingue. Donc je lui dois au moins bien ça, d'emmener son fils en Ferrari. Bah regarde, je crois bien que c'est Jennifer qui arrive. Allez, vas-y, tu peux. Regarde la ceinture. Ouais, là, ouais. Je suppose que c'est la première fois. Oh, attends, t'aimes les manèges, hein, sensation forte un peu, tout ça. Oui, ça va. Si t'as peur, tu dis, je vais pas accélérer non plus trop. En plus, la route est un peu mouillée. T'as fait une belle surprise, maman. Quel modèle c'est celle-là? C'est marqué devant toi en plus. Du coup, on peut se léviter sur le volant ou là? Ah ouais, là, t'as des palettes. Voilà, par exemple, je suis en première. Hop, là, je passe à deuxième. C'est plus facile. Ouais, c'est mieux. En fait, c'est une boîte de vitesse de Formule 1 là-dessus. C'est la même. Ça, c'est pour la marche arrière. Après, t'as le frein à main et tu peux mettre en mode tout automatique aussi si t'appuies là. Mais je préfère passer au volant, c'est plus sympa. Bon, du coup, j'ai que deux pédales, pédale d'accélérateur et puis pédale de frein. Donc là, celle-là, elle a un V8 au niveau du moteur. V8 400 chevaux. Tu vas voir qu'on accélère. Personne en face, tu pourras voir un peu déjà comment ça accélère. Là encore, c'était gentil. Là, on n'a pas de mal à doubler. Plus que la voiture à un moment. Oui, là. Oui. Tu vas voir. Ouais, c'est plein. Oui.
envie d'en acheter une. Ah oui. Quand il sera grand. Le bruit, l'accélération, les vibrations, tout est bien. Ouais. C'est pour ça que c'est cher. Encore celle-là, ça va être pas trop cher. La Kia. Quand tu m'avais arrivé, tu pensais pas que c'était pour toi. Non, t'as dit, tiens, une Ferrari. Ce que j'ai bien aimé dans le tour en Ferrari, en fait, bah, c'est à peu près tout, parce que déjà il y a le rouge de la voiture, il y a l'insigne, il y a le moteur, il y a la puissance, et il y
Et surtout dans les accélérations que j'aimais bien dans la voiture. Et puis en plus, bah, il y a aussi le rond-point. J'aimais bien quand on prenait le virage. Et puis sinon, bah, j'aimais bien tout ce qu'il y avait. Surtout bah, la Ferrari et puis le conducteur. Et aussi, bah, j'aime bien Loïc parce qu'il me faisait rire des fois pendant le trajet. Voilà. Merci Loïc. C'est fini pour cette vidéo. Alors ça s'est fini un petit peu à la va-vite parce que comme vous le savez peut-être, je suis sapeur pompier volontaire et là ce week-end je suis de garde et donc elle a été le passage en rentrant de vacances, donc on n'avait pas trop le choix sur la date et malheureusement j'ai été appelé en plein pendant que je l'emmenais elle faire un tour après et du coup voilà, j'ai pas pu revoir les gamins ni rien, j'ai dû partir en urgence aux pompiers. Donc voilà, du coup la vidéo elle est assez courte, j'ai pas pu filmer vraiment tout ce que j'aurais voulu. Bon. Le principal, on a vu sa réaction, donc il a vraiment adoré, ça c'est top, j'adore faire plaisir aux gamins comme ça. Mais en tout cas, moi ça m'a fait vraiment plaisir de l'emmener faire un tour. Donc voilà, en tout cas, le gamin c'était trop marrant parce qu'en fait il calculait pas au départ, il se demandait ce qui lui arrivait. Je pense que là vraiment il s'y attendait pas du tout, il savait pas quoi dire. En même temps, à sa place, j'aurais été pareil, je pense. Donc voilà, j'espère qu'il va garder ce souvenir en mémoire pendant longtemps. Voilà, c'est aussi ça la passion des voitures, hein, c'est partager. Moi j'adore partager ma passion, moi j'adore emmener des gens faire un tour. Donc en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait, et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut.